Des souffrances que votre pays a connues il y a 25 ans, dans les heures les plus sombres que l'Europe ait traversées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En ce jour du 11 juillet 1995, puis dans les jours qui ont suivi, l'une des pires tragédies de l'histoire contemporaine se déroulait, à Srebrenica, en Bosnie-Herzégovine. La France n'oublie pas les plus de 8000 victimes, adultes et enfants, qui ont été assassinées. Et je tiens à saluer avec émotion les survivants de ce génocide, ainsi que les familles des victimes, auxquelles je veux dire ma profonde compassion. Il était essentiel